sur Channel. Ici Angela Bauer. Est-ce que tout le monde va bien? Si oui, mettez un thumbs up. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul, les hauls que je fais tous les mois. Vous avez eu les palettes récemment, la semaine passée. Là je vous présente, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées pendant le Black Friday. Je sais, on est au mois de janvier, mais il y a des choses qui ont mis tellement de temps à arriver. Et il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le Black Friday et que j'ai mis dans ce haul. Donc tout ce qui est palette, c'était dans la dernière vidéo de la semaine dernière. Je vais la mettre dans la barre d'infos si ça vous tente de regarder. Et ben là vous avez les restes. Comme par exemple, l'accumulation de produits pour le corps. J'en ai combien maintenant? 1, 2, 3, 4, j'en ai juste 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je ne suis toujours pas à poil. Voilà, j'ai toujours pas mis, c'est les produits de Soul Body. Mais comment tu peux résister à un arc-en-ciel de Chimeli? C'est impossible. Donc je les ai déjà essayés par contre. Et c'est super joli, ça sent super bon. Et ça ne colle pas et ça ne glisse pas non plus. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc merci Soul Body. Enfin, tu devrais me remercier, c'est moi qui l'ai acheté hein. Ah mais j'ai oublié. Avant de continuer, je voudrais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne, qui s'appelle, alors je ne sais pas si je vais bien dire son nom, sur Patreon c'est écrit C-C-C-E-C-E. Alors ça peut être comme Cici dans New Girl ou CC comme Céline ou Cécile, je sais pas. Mais merci énormément de contribuer à la chaîne et de faire en sorte que je sois là tous les jours et d'essayer du contenu, d'essayer des produits et de partager avec vous et de créer une communauté. Je suis plus qu'honorée que tu fasses partie de la famille. Cette vidéo elle est pour toi. Et si ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez le faire, c'est en cliquant juste ici. Vous n'êtes absolument pas obligé du tout. Vous pouvez juste rester ici et apprécier un contenu sans sponsor, sans trop de pubs, une au début, une à la toute fin. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Si après ça tente de filer un coup de main, tu sais comment faire. Et tu peux arrêter quand tu veux et commencer quand tu veux. Et c'est tout. Rien ne t'oblige à rien du tout. Voilà, continuons avec la suite de la vidéo. Alors il y avait la collection qui s'appelle Hola Chola qui était sortie. Et du coup, je parle doucement parce qu'il y a... Il est tôt encore. Il y avait des lip bundles. Déjà, je dois vous dire que l'imprimé bandana, ça me plaît énormément. Donc, il y a des lip mats. Je pense qu'il y en a 3. Et il y a des crayons à lèvres. Alors, crayons à lèvres Colourpop sont les best. Et c'est de nouvelles couleurs, je pense. Oui, c'est ça. C'est exactement la couleur qui va avec. Je ne porte pas de crayons à lèvres avec des liquid lips. Mais je suis contente qu'il y ait un bundle parce que j'aime, c'est mes crayons à lèvres favoris, c'est ceux de Colourpop. Ils sont très 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 crémeux. Si c'est pas quelque chose que vous aimez et que vous avez peur que éventuellement ça fuit au coup de la... ça fuit pas, mais je veux dire c'est plus gras. Donc c'est pas aussi longue tenue que par exemple un crayon MAC, vous voyez, que je déteste pour mourir. Mais ceux-ci sont géniaux et du coup bah, j'ai quelques... J'ai pris les 3 kits en fait. Celui-ci c'est Payasa. On va essayer tous ces produits au cours de la semaine, au cours du mois ou des mois, parce que janvier, février, je pense que je reviendrai avec un autre haul genre peut-être fin février ou début mars. Mais avant ça, non. Il y a aussi la version nude avec le crayon plus foncé pour l'effet Hola Chola. Donc ça s'appelle Muñeca. Et celui-ci qui s'appelle Traviesa. Et j'aime beaucoup les 3 couleurs, vraiment. Et celui-ci c'est quoi? C'est un ultra matte lip, mais il n'a pas le bouchon bandana. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un sample? Je ne dis pas. Des fois Colourpop, ils ont... Ça va trop vite! Sont pas leur affaire. Voilà. Ok. Et dedans, il y avait 2 bronzers, mais les plus beaux bronzers que j'ai vus. Regardez-moi ça, ce packaging. De fou. Alors lui, ça s'appelle 310. Et l'autre... Toute beauté. J'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, dans la collection, toujours...
Colourpop. J'ai acheté des fossiles. J'ai toujours pas essayé, mais je continue à les acheter. C'est comme les body oil. J'aime pas ouvrir 40 000 fossiles à la fois. C'est juste que, ben, il paraît qu'ils sont bien et je voulais les tester. Et il y avait une promo pendant Black Friday, donc j'ai pris ces trois boîtes-là. Mais je vous en parlerai au moment où j'essaye de finir mes fossiles. C'est un peu comme le fond de teint. Si je mets le fossile et puis ben, quand il est cassé ou que j'arrive plus à l'utiliser ou quoi, ben, je change pour de nouveau. Donc éventuellement, ça viendra. J'ai aussi pris les eyeliners qu'ils avaient sortis pendant la collection de Noël. Donc j'ai pris les trois. J'ai pas vu les super revues à ce sujet, donc je suis pas super optimiste. Donc c'est clair, c'est pas les couleurs les plus transcendantes. On est loin de OPV Beauty là, mais moi dans le doute, je prends tout. Voilà. Donc, liner. Ah, dans la collection La Chola, il y avait aussi un roller. Un roller gloss ball. Ça dit que ça sent la cerise. Ah oui! Ça me rappelle mon grand-père. Un jour, mon grand-père, il nous a acheté du chewing-gum. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il nous a acheté un chewing-gum et il nous a dit « Oh, vous aimez la cerise ?» Puis nous, on voulait être polis, on a dit « Oui, oui, on aime bien. » Il y a quand même un petit chine. Les gens disaient qu'il n'y avait rien, mais il y a quelque chose, un petit truc sympa. Oui, on aime bien. Et du coup, à partir de ce jour-là, il nous achetait toutes les semaines le même chewing-gum à la cerise pendant je ne sais pas combien de temps. À tel point qu'on était écœurés, mais qu'on n'allait pas lui dire qu'on n'aimait plus le chewing-gum à la cerise. Voilà. Ah, j'ai aussi acheté ce produit à sourcils de Colourpop. Il y a d'autres marques, hein, vous inquiétez pas. Ce produit à sourcils de Colourpop qui s'appelle le Brow Boss. Et j'ai pris la couleur Dark Brown. Et je vais commencer à l'utiliser dès demain parce que le mien est enfin terminé. Donc hop, ça je le mets dans mon truc de suite. Chez MAC. Ça y est, on arrive. Et j'ai besoin d'en dire plus. J'étais tellement contente d'avoir mis la main là-dessus. Vous savez que quand il y a des collections comme ça, parce que lui il est parti super vite. Quand il y a des collections comme ça qui arrivent et qu'on sait que ça va partir super vite, ce que je fais, c'est que souvent je programme sur le groupe Riette et Makeup pour vous dire quand est-ce que ça va sortir, pour que vous ne manquiez pas le truc. Et j'espère qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir, parce que dès que c'était en ligne, j'ai su et j'ai limité. Donc c'est le seul moyen. Si je le mets ici sur YouTube, vous ne pouvez pas le voir tout de suite. Certes, des fois j'utilise des liens affiliés. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Ça ne coûte rien de plus pour vous, mais pour moi ça va venir beaucoup. Et c'est une couleur qui s'appelle Double Gleam et qui existe déjà apparemment en collection régulière, si jamais. Je tiens à vous le dire. J'ai acheté des chaussettes. Je sais, vous allez me dire, elles nous montrent des chaussettes. Mais premièrement, c'est Mathieu qui me les a achetées. Je les ai trouvées chez Winners à 7,99€. C'est des chaussettes Archie. Pas Archie, la télésérie très médiocre. Non. Archie, le vrai Archie Comics. Alors, il y a Archie et Betty, Archie et Véronica. Vous avez une chaussette avec Archie, une chaussette avec Betty. Enfin bref, c'est trop mignon et je les adore. Elles sont trop belles. 7,99€ pour 4-5 paires. Je suis ravissante. Puis, pendant le Black Friday, j'ai acheté des lunettes de soleil. Mais pas n'importe lesquelles, parce que je voulais ces lunettes de soleil-là depuis 2 ans. J'ai attendu 2 ans avant de craquer dessus. Parce que à chaque Black Friday depuis 2 ans, elles tombaient soldées. Pour avoir le shipping gratuit ou pour pas trop payer le shipping, il fallait que tu commandes autre chose et je voulais pas autre chose. Et là, cette année, ils ont sorti un coffret. C'est une lunette qui avec DC. Vous savez que j'aime DC pour mourir. Ils ont sorti un coffret avec 3 paires de lunettes à l'intérieur de sa collection qui coûtait le prix d'une seule paire de lunettes. J'ai pris, il faut absolument que je vous montre. C'est trop beau. Alors, c'est super beau, j'adore ces lunettes. Et elles sont de bonne qualité et je les aime beaucoup. J'ai essayé de trouver des dupes ici et là, mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui arrive à la hauteur de ce que je voulais. J'ai bien fait d'attendre du coup. Et chaque lunette vient avec son petit case en plastique avec son petit chiffon pour essuyer. Ça fait plaisir.
Si je pouvais ne pas les péter en fermant le truc, merci. Voilà, ça c'était les trois paires de lunettes. Donc il y en a une pareille, mais noire avec les verres jaunes. Et l'autre, c'est des lunettes noires en plastique. Que je pense que j'ai celles que je vais emmener en vacances. Voilà. Ensuite, toujours chez MAC, il y avait après les soldes de fin d'année, enfin pendant les soldes de fin d'année, j'ai pris un autre Spellbinder. Comment ça s'appelle, Spellbinder? Oui. Eyeshadow. Alors que j'ai même pas essayé l'autre encore, mais cette couleur-là me tentait et je la trouvais pas. Et c'était une espèce de gris pailleté magnifique. J'ai toujours pas essayé l'autre, hein. Il est dans ma liste, il est dans ma pile. Et puis j'ai pris les deux. Comment ça s'appelle, Shooting Star Opalescent Powder. J'ai pris les deux. J'ai pris la rosée et j'ai pris la bronze. J'avais vu ce genre de truc chez Patrick Star. Il en avait fait une comme ça et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, bah, j'ai pas posé plus de questions. Le packaging est magnifique et j'étais contente de les avoir. C'était dans ma liste. J'ai aussi pris ça de chez Colourpop. Attendez, on revient aux sources. Ils ont sorti des highlighters comme ça. Alors, c'est leur nouvelle lubie, je ne sais pas ce qui se passe, de sortir des trucs géantissimes comme ça. Alors c'est un nouveau highlighter style Marc Jacobs. Et c'est un peu sec, mais c'est magnifique. Et il sent bon. Voilà. Donc ça, le seul truc que j'aime pas, c'est que c'est pas facile à ouvrir. Est-ce qu'il y a une astuce? Parce que je comprends pas, il faut que tu mettes ton... Il n'y a pas de... Peut-être ça s'ouvre comme ça. Ah, oh, ok, d'accord. Mais c'est pas pratique, hein. Je peux vous le dire, c'est vraiment pas pratique du tout. Chez... Alors, By Beauty, on fait récemment un rebranding, mais avant de faire le rebranding, ils ont... tout soldé sur leur site et du coup j'ai acheté plein d'affaires qui me tentaient depuis super longtemps, mais disons que 30$ le produit c'était beaucoup trop cher et c'était rendu genre à 6$ le produit, donc j'en ai pris tout plein. J'ai pris une multitude de matchsticks, c'est les produits que j'adore. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais pas aller pour aller les acheter, mais je suis quand même tombée sur le site. J'ai craqué. Donc il y a tout ça de produits à l'intérieur et ce sont des produits qui sont pour les lèvres, pour les yeux et pour les joues. Je vous avouerai que j'aime mieux m'en servir pour les joues et j'ai pris plusieurs couleurs. Je vous montrerai au moment où on va les essayer. Ça sert à rien que je vous fasse une liste totale puisque ces produits là je pense ne sont plus sur le site. Si vous les avez, c'est cool d'utiliser. Si vous les trouvez, parce que je sais que Winners, Marshall, tout ça au Canada ou aux États-Unis, ils vont commencer ou continuer à les avoir, donc c'est peut-être intéressant de ce côté là mais je vais pas vous faire une revue totale sur ces produits là à moins qu'ils ramènent des matchsticks. Donc voilà, c'était c'est ces produits là et même chose pour les produits qui s'appellent les Amuse Bouche Liquified Lip. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. J'ai été raisonnable, je pense. Après avoir fait mon décloteur de lips, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. J'en ai pris 5 couleurs. Et voilà, donc je voulais les remettre et faire agrandir ma collection puisque j'aime énormément la marque By Beauty. Vous le savez désormais. La peine de vous le redire. Chez Colourpop, ils avaient sorti des pinceaux avec la collection avec le highlighter. Et du coup, j'ai pris, ils sont trop mignons, ils sont trop beaux. Ils sont or un peu. Alors lui, il est plat. Ça s'appelle le F23. Et celui-ci, parfait pour mettre du highlighter ou un concealer ou une poudre sous l'œil aussi, c'est magnifique. Le F24. Ouais, le highlighter, oui. Oui, éventuellement, oui. Ce serait une bonne idée. Voilà, je ne les ai pas lavés, donc je vais pas les mettre au visage tout de suite. Ils ont aussi sorti, randomly, un highlighter liquide. Or, moi j'aime beaucoup les produits crème, donc ça me va.
produits non intéressants. C'était soldé après les fêtes, les produits, ouais. Donc j'ai pris deux shampoings parce que j'ai fait un stock de shampoings. Déjà, ils étaient soldés à, je pense, moins 50%, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, oui, c'est moins 50%. Et en plus de ça, j'avais moins 20%. Du coup, j'en ai pris deux et je suis bonne pour l'année, je pense. Donc j'ai fait des stocks. Beaucoup les shampoings, oui, ça coûte cher à la base. Et puis, chez AliExpress, j'ai pris des autocollants flammes pour faire du nail art. Et j'ai pris d'autres petits strass, parce que vous savez que c'est l'année du strass ici. Et j'ai pris plein d'autres couleurs. Donc il y a plusieurs formats, plusieurs couleurs. Bleu, rouge, pastel sage et rose. Il manque orange et il manque rouge bordeaux, entre autres. J'ai une liste, une wishlist AliExpress à l'infini. Genre tellement elle est remplie quand on est dit stop, n'en mettez plus, la coupe est pleine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma maman m'a acheté un gloss qu'on essaiera, c'est de la marque personnelle. Voilà. Et oui, je sais, c'est complètement hors du truc, mais j'ai reçu un paquet de la marque Kiss avant le jour de Noël, le jour du réveillon, le 24 décembre. J'ai reçu ça, c'était dans le paquet, avec ça, c'est pour faire des biscuits avec des imprimés dessus, trop cute. Et il y avait un tablier carotté comme ça. Genre ça c'est les serviettes qui vont avec le tablier. J'ai donné le tablier à Mathieu. Ça lui allait tellement bien ce tablier. Parce que c'est un petit peu les mêmes motifs que ses vêtements à la base. Et du coup ça c'est les serviettes qui vont avec le tablier. Très sympa, très gentil. Mais il y avait aussi des faux ongles. Alors je voulais vous les montrer. Ah, notre serviette. Faux ongles. Les faux ongles de Noël. Je les garderai pour l'année prochaine. Il y a ceci. Ceux-là, je les ai utilisés en grande partie, mais ma soeur les a mis. Il y avait ceux-là, je crois que je vais les mettre à Noël, mais c'était la collection de Noël. Ils sont très mignons. Les rouges, magnifiques. Et les... je sais pas c'est quoi cette couleur. Bleu et vert. C'est pas forcément Noël, c'est quelque chose que je mettrais tout le temps, je pense. Bon, ça, je mettrai à Noël de l'année prochaine. De cette année. Et puis celui-ci que je mettrai sur ta main. Voilà. Est-ce que j'ai tout? J'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié ce petit haul. Et que vous serez là quand on va essayer ces produits-là. S'il y a quelque chose que vous voulez voir en priorité, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça va me faire grandement plaisir de mettre ça en haut de la pile. Je vous remercie d'être resté avec moi, de regarder, de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais mettre ma tête ici, juste pour vous rappeler. Je vous laisse la dernière vidéo juste là, si ça vous tente d'aller regarder, ça va me faire plaisir aussi. Je remercie encore une fois Cici, toi, ainsi que toutes mes marraines et tous mes marins de sponsoriser cette chaîne. Et si ça vous tente de faire comme eux, vous pouvez cliquer ici, ça va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, allez-vous être là? Moi, bye.